va s'asseoir peut-être. Voilà, Samuel Leroux, on est au Grand Prix de Denain, une course dans la région. Donc je suppose que la motivation est à son maximum. Ah ouais, c'est clair que la motivation est au maximum. Avec l'équipe, on espère faire un résultat et se montrer surtout. Donc on est super motivé. Ouais. Alors le parcours va encore un petit peu changer par rapport à l'an dernier. Les secteurs pavés sont encore un peu plus ramassés dans le final. Comment ça va changer le scénario du jour? Ouais, c'est clair que ça change par rapport à l'an dernier où on faisait les secteurs pavés à deux reprises. Là, cette année, on ne les fait qu'une fois, donc c'est pas du tout pareil. Et en plus, les secteurs s'enchaînent assez rapidement, donc je pense qu'il y aura du dégât. En plus, le vent est de la partie, donc ouais, ça sera vraiment une course au placement. Et à la fin, ça sera à l'usure, donc il faudra bien s'accrocher. Ouais. Alors, on le sait, votre équipe est dans le flou au niveau de son avenir. Comment ça se passe mentalement de courir dans ces conditions alors que le futur est incertain? Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est clair qu'on y pense. Après, pendant la course, on y pense moins parce qu'on est dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que quand on rentre à la maison... C'est pas évident, on est tout le temps en train de penser si ça va continuer, mais bon, on espère. On va avoir peut-être des nouvelles bientôt, donc je pense que ça va aller. Et puis faut rester motivé. Vous avez eu des échos positifs ou négatifs? Vous avez eu des échos positifs ou négatifs? Oui, on a quelques échos positifs, mais bon, il n'y a rien de signé. Donc pour l'instant, on attend et on va avoir les nouvelles dans les deux ou trois prochaines semaines et on espère que ça va continuer. Merci Samuel. Merci.